comme dirait Denis, on se croirait dans Objectif Lune. Hein. On descend 60 mètres d'échafaudage. C'est impressionnant dans ce gouffre géant. Extraordinaire. Dans lequel on pourrait mettre la tour Eiffel. Oui, mais démonté. Voilà, vas-y, là, ouais. Alors, il y a combien de fond, là, tu dis ? 1 mètre, 1 mètre 20. Ouais. Et on entend la chute d'eau au fond. On entend la cascade, on voit le passage de la pluie, on voit les gouttes d'eau, là, qui rebondissent. Voilà, donc on est sur un canoë, 3 places. Ah ouais, c'est joli. Et ceux qui sont passés avant nous ont fait naufrage, donc on va essayer de relever le défi. Serge, on est sous l'eau. On coule. L'eau est belle, hein. Les petits brillants. Parfait. Le bruit de la chute d'eau se précise. On va bientôt partir en cascade. Ah, c'est la grande chute qui nous attend. C'est la chute qui nous attend.
et on sait un petit peu. Faut dire l'embarcation de Fonello, quoi. C'est pas forcément la tenue nécessaire, mais bon. Mais c'est quoi cet accent là? Vous n'avez pas l'accent de l'Aude? De où? De Minerve. Michel de Chenoir, mes gars. Hervé de Mossol et Michel de Chenoir. Puis que chez Coxa. Bon, les Aragonites, là, ça a été découvert par qui alors? André Capdeville. Non, les Aragonites ont été découvertes en Aragon. Et qui est décédé cette année. Cet été. Capdeville, il a découvert la salle. Il y a son hommage sur le bloc. Il n'a pas découvert les Aragonites. Il avait toujours une pipe et un béret, là, une casquette. Et là, sur la plaque d'hommage, ils ont mis la pipe. Ouais, j'ai vu. Ouais. Bon, ben voilà, c'était un bel hommage quand même pour lui rendre. Ils ont dit la cigogne pleure dans les coupelles. La cigogne, même. En tout cas, c'est une merveille, Tony. Hein, vraiment, merci. Parce que c'est du fond du cœur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Tant mieux, tant mieux. Une vraie merveille. Ouais, c'est marrant comme il y a des degrés, puis c'est pas la même chose. Et puis l'eau était chaude. Puis l'eau était chaude. On le mérite quand on est en dessous. Ben oui. Mais t'es du sud, toi, t'es de l'autre, toi. C'est chaud, voilà. Mais c'est un gars de l'autre. Il met des néoprènes, l'eau était à 15 degrés.